Les guerriers de toute l'Égée viennent à Pefka affronter le puissant Minotaure en espérant repartir avec sa tête comme trophée. Jusqu'ici, eh bien... il les a tous tués. Ah, mais boire de l'élixir de sabot de Minotaure fraîchement broyé te donnera l'énergie dont tu auras besoin pour triompher. Et laisse-moi deviner, tu as une fiole à me vendre, rien que pour moi. Comme disait mon père, ne sors jamais sans ton jus de sabot de créature mythique. Non, merci. D'accord, d'accord. Rien ne t'oblige à aider un pauvre enfant des rues de Pefka à gagner sa vie honnêtement pour prendre soin de sa vieille grand-mère malade. Si c'est elle qui est malade, pourquoi tu tousses ? Par compassion ? C'est le mensonge le plus lamentable que j'ai jamais entendu. Et j'ai vécu à Kefalonia. Ah oui ? Ça valait le coup d'essayer. Maintenant, viens ! Il reste des tas de choses à voir. Je ne dis pas que ce qui est arrivé à la statue du Minotaure est de ma faute, mais je ne dis pas non plus que ce n'est pas de ma faute. Voilà, fin de la visite. Quoi, c'est tout? Mais je n'ai rien appris sur le Minotaure. Mes clients ne se sont jamais plaints. Tu peux payer mes associés en repartant. Je te souhaite une bonne fin de séjour à Pefka. Tu ne tireras pas une seule drachme de moi. Une? Non, je vais toutes les prendre. Attrapez-la! N'abîmez pas son seul équipement. Je suis impressionné que tu aies tenu aussi longtemps. Bien joué, guerrière! Tu as réussi l'épreuve de survie face aux bandits! Et ce n'est pas le cas de tout le monde! Ça te vaut une remise supplémentaire sur les célèbres tuniques du Minotaure! Ou bien... tu sais quoi? Tu m'as offert une belle visite! Une visite d'amitié que je suis prêt à payer! Tiens, voilà une belle somme pour te remercier de ta visite d'amitié! J'adore faire des affaires avec toi! Oui. Dis, c'est comment la vie de Mystios? Il y a pire. Un maximum de 3 membres de chasse au Minotaure. L'achat de marchandises aux couleurs du Minotaure est impératif pour participer. On refuse les guerriers légendaires, les héroïnes enceintes et les divinités certifiées, même les demi-dieux et apparentés. Et inutile de vous bousculer, vous aurez tous l'occasion de vous faire mettre en pièces. Ah, voilà un spécimen de choix. Es-tu prête aux honneurs, à la gloire, à une mort certaine? Disons que je suis prête à 2/3 de ça. Alors, tu désires affronter le Minotaure? Aucun Minotaure digne de ce nom ne vivrait à Lato. Mais si. Ici? Oui. À Lato? Oui. Lato, là? Ah,
Je peux t'assurer que la bête vit ici et qu'elle attend impatiemment d'affronter un riche, indigne adversaire. En tuant le Minotaure, tu deviendrais la réincarnation de Thésée. Et tu remporterais la récompense de Pefka. Ton Minotaure doit mourir. Il semble que nous ayons une autre candidate. Passons aux épreuves du Minotaure. Qualificative. Qualificative. Mais ensuite, je veux la tête du Minotaure. Magnifique. N'oublie pas de réclamer les jetons maîtres des épreuves pour valider tes victoires. Oh. Notre championne, venue nous sauver des files d'attente et des marchandises de Minotaure hors de prix. Ah, permets-moi de te présenter ma femme si volubile devant ma nouvelle amie. Tais-toi, Leandros. Il y a des choses plus importantes que la Loire. Rien ne saurait surpasser. Et ma fille, c'est que... Votre fille? Amara, elle a disparu depuis plus... Je suis sûr qu'elle ne te préoccupe pas d'Amara. Schling, Schling, gros combat, beaucoup de sang. Pense à la gloire, Mystios. Pense à la récompense de Pefka. Fais-moi confiance, championne. Les apparences sont trompeuses à Pefka. Régler un problème pourrait résoudre tous les autres. Va, légendaire ami. Les épreuves qualificatives du Minotaure t'attendent. Qui parmi vous a peur? Ils sont brisés en lambeaux. Sois moins bête que moi. Et fais pour échapper à cette épreuve qualificative. Pour te faire écraser lors de mon épreuve qualificative de force, c'est ça? Je risque d'être moins facile. Quelle bravoure! Alors, nous allons nous battre. Tu es sûr que tu ne préfères pas... On se bat. Alors prépare-toi à te faire écraser. Et tu as acheté mon jeton, tu sais. C'était une affaire. Non, tu vas payer un autre prix. La mort. Je vais me servir de tes os comme cure-dent, Malaka. Mais quelle est cette sensation? Qu'est-ce que c'est? La honte de la défaite. J'ai perdu? Ah, oh, gagner, c'est mieux. Le jeton de force te revient. Très bonne journée à toi, et de grâce, ne me frappe plus. J'ai besoin des trois jetons.
conseil. Paye pour éviter cette épreuve, potentielle championne. L'épreuve d'endurance a fait plus de victimes que... Les autres étaient ivres quand ils ont sauté? En fait, oui. Ce qui dénote un net... Si jamais tu survis au plongeon du champion, tu devras trouver mon jeton d'épreuve dans un coffre. Je vais rapporter ton... Non, je t'en prie, je t'en supplie. Je ne te donnerai pas une seule drachme. Si une mort aquatique extrêmement douloureuse t'intéresse, qui suis-je pour t'en empêcher? Je t'attendrai au bord, sait-on jamais. Oh, tu peux me dire en quoi une épreuve de natation montre ma capacité à... Les voix des Minotaures. Ça fait beaucoup de travail pour un jeton. Bon, je vais devoir me mouiller. Voilà ce que je cherche. J'étais saleté de jetons. Mais plus de jeu, ni voler mes drachmes. Temps de tuer un Minotaure! Absolument, Mystios. Aucun problème. Mais avant cela, peut-être aimerais-tu racheter tes splendides jetons d'épreuve finement ouvragés? Cette offre expirera dans... Par les dieux! Tu as raison, c'est un très beau cadeau. Plus une seule drachme. Oh, mais championne, tu as sûrement envie d'un souvenir des épreuves qualificatives de PEFCO. Je... Pardon. Alors, il ne te reste qu'à affronter notre attraction principale en personne, le Minotaure. Es-tu prête à mourir? Si j'en juge par tes épreuves qualificatives, oui, je suis prête. Oui, bien. D'accord, je veux que tu affrontes le Minotaure. Tu trouveras la bête tout au fond de la grotte des Braves, sur le plateau de Dictée. Deux autres guerriers se sont qualifiés. Tu peux t'adresser à eux pour en savoir plus. Ils te rejoindront quand tu seras prête à mourir dans d'atroces souffrances. Puisque tu es venu jusqu'ici, joins-toi à nous. Non. J'ai une très importante leçon de poterie qui m'attend. Alors, Et vous devez être... Regarde, mon frère! Le dernier membre de notre groupe de chasseurs... Quand la bête verra notre puissance, elle meuglera de peur comme un veau. Ça meugle, les Minotaures. Si ça vous dérange pas, j'aimerais bien porter le couffin. Ou alors, à la limite, qu'on raconte que je l'ai fait. Je veux même bien descendre jusqu'à... Il a joué un rôle majeur en distrayant le Minotaure. Le coup fatal reprend. Alors, je me ferai un collier avec les entrailles. Ça ne... Tu es prête à y aller? Allons tuer. D'après Léandros, il vit dans la grotte des Braves, sur le plateau. Si le Minotaure mange des hommes et vit près de Pefka, pourquoi tous les habitants ne sont pas morts? Peut-être que le régime local leur donne un sale goût. Bien pensé, mon frère. Allons enduire nos lames, d'huile et d'oignons pour avoir l'avantage au combat. Regarde, mon frère, la maison du Minotaure. Voyez. Non, c'est un mythe. Le Minotaure aussi, hein? Non, ça, c'est le fils bâtard, moitié taureau, moitié homme, de la femme du roi Minos. Ça fait mythe. Vous êtes dans le passage, partez! Le Minotaure a été tué par Thésée. Impossible, si Thésée avait tué le Minotaure. Gloire ici, seulement la mort! Des bêtes est plus glorieux que de faire du pain.
Celui qui vit ici ne peut être qu'un monstre. Le Minotaure vient de tousser. Je suis le Minotaure. Quoi ? Jette tes objets de valeur et fuis terrifié. Mortel, laisse-moi tes drachmes et tu auras la vie sauve. Sinon, tu mourras piétiné par mes sabots. Crains mon meuglement. C'est bon ? Malaka. Je sens que je vais transpercer tout le monde jusqu'à ce qu'on me dise ce qui se passe. La mort est là. J'ai dit grrr. Oh, à quoi bon? Bonjour. Dis-moi ce qui se passe ou tu vas le regretter. Et enlève ce masque ridicule. Léandros? Je t'ai dit que les apparences étaient trompeuses, Apefka. Je serais ravi de te rembourser les frais que tu as engagés. Je t'en prie, c'est pour ma fille, Amara. Des hommes masqués la retiennent dans les gorges du plateau de Dictée. Des hommes masqués? Quel genre de masque? Blanc comme le marbre. Les yeux qui saignent. Horrible. Le culte. Ils contrôlent tout, Apefka. Ils promettent la gloire à ceux qui vaincraient le Minotaure. Mais ils tuent chaque candidat par traîtrise. Ici, dans le noir. C'est lamentable. Si je n'obéis pas, ils tueront Amara. Et si j'enlève mon masque, si j'en parle à ma femme, ou si je demande de l'aide, elle mourra. Combien d'hommes as-tu envoyé à la mort par tes discours et... Des milliers. Et même davantage. Leur vie ne compte pas à côté de celle d'Amara. Elle est tout ce que j'ai. Mais maintenant... C'est ta fille. C'est à toi de la sauver. Mais il me tuerait. Tu crois qu'elle a envie de voir mourir son père? Elle a envie que son père vienne la sauver. Lâche! Tu as raison. Je suis un lâche. Et un homme doit se contenter d'être ce qu'il est. Ça me suffit, mais... ça ne suffira pas à sauver Amara. Pour ça, j'aurai besoin de ton aide. Ta fille. Tous les deux. Merci, Mystios. Retrouve-moi près des ruines de Zakros, sur le plateau de Dictée. C'est là qu'est ma fille. Et là que je dois aller. Ces hommes masqués sont organisés et téméraires. Leur meilleure arme, ce n'est pas une lame, c'est notre cupidité. Chaque marchand, chaque homme avec esclave tire assez d'argent de cette mascarade pour faire rougir Midas. Le mythe du Minotaure nous rend tous riches, et nous fermons les yeux sur ce qui nous en coûte. Ah, pourquoi cette tenue mérite-t-elle? Pourtant j'ai utilisé une fiole entière d'huile d'olive. Difficile de respirer dans un costume aussi superbe. Par Zeus, cette peau ne respire pas du tout. Tu es le Minotaure. Tu es le Minotaure. Tu es le Minotaure. Tu es le Minotaure. Le dernier était meilleur. J'arrive, Amara. N'aie pas peur. Et toi, n'aie pas peur, Léandros. Elle a besoin de toi. Thank you.
Istios par ici. C'est moi, Léandros. Ce n'est pas le vrai Minotaur. Tu es là. J'ai cru que je devrais me battre seul. Je vais t'aider. Amara pourra être fière de son... Tu es toujours déguisé en Minotaur ? J'ai affronté un grand nombre de redoutables guerriers grecs derrière ce masque. D'accord, je n'étais là que pour distraire ces guerriers par mes rugissements et mes gesticulations, afin qu'ils tombent dans une embuscade et soient poignardés dans le dos. Bref, le porté me donne du courage. Tu as l'air de la seule chose qu'Alcibiade n'entraînerait pas vers sa couche. Tu réussis à voir quelque chose ? Ah, tu peux te moquer ! Quand ces Malakès de Zakros verront cette bête les charger, ah, ils connaîtront la peur. Ils doivent la garder prisonnière sous terre. Notre héroïsme et nos sabots la sauveront. Mais Zakros a de bonnes défenses, comment allons-nous faire? Silence, je vais tenter de me faufiler. Reste en arrière et laisse-moi faire. Je sais me faire discret. Tu as des cornes. Oh, vas-y, je vais faire de mon mieux pour distraire les gardes. Qu'est devenu votre honneur, Malakès masqué? Le Minotaure vous appelle. Venez m'affronter. Prouvez-moi votre bravoure. En quittant l'abri de votre forteresse inexpugnable et en venant à découvert. Tu m'as sauvé. En fait... C'est le Minotaure ? Montre-lui. Père ? C'est toi le Minotaure ? Évite de le dire à ta mère. J'ai attendu et... Tu n'allais pas me laisser là, n'est-ce pas ? Tu étais en train de préparer un plan pour me sauver. Bien sûr. J'ai toujours prévu de venir te chercher, il fallait seulement... Les gens qui t'ont emmené... Si tu as entendu quoi que ce soit... Pendant que je faisais semblant de dormir, leur chef a parlé d'un lieu de réunion à Kydonia. J'ai noté tout ce qu'ont dit les hommes masqués. J'espère que tu y trouveras quelque chose d'utile. Mon ami, nous allons rejoindre ma femme. Elle nous attend, Amara et moi, au repos des guerriers. Viens avec nous. Et vois ainsi le cadeau que tu nous as fait. Notre famille réunie. Après toi.